Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 34e épisode de notre carrière au Stade de Reims. On se retrouve tout de suite avec le calendrier. Calendrier du coup qui s'est un petit peu allégé là. Enfin, on a eu du temps de repos. On a eu 10 jours de repos depuis la grosse défaite à Lyon. Bon, défaite méritée. De toute façon, on a vu un hein, contre Monaco et Lyon qui sont vraiment au sommet du classement. C'est difficile. On n'a pas fait le poids. Mais là aujourd'hui deux matchs à notre portée, la réception de Strasbourg enchaînée avec la réception de Nantes. Donc là, on va essayer de mettre la meilleure équipe et puis de faire tourner contre Nantes. On est ici, on est dixième, toujours avec un petit match en retard, donc on n'est pas si loin, mais voilà, toujours milieu de tableau. Alors que Strasbourg est cinquième, hein. Là on reçoit Strasbourg, donc match compliqué, mais pas infaisable. Et ensuite réception de Nantes. Réception de Nantes. On va faire ça ensemble. C'est également la dernière semaine de Mercato. J'ai eu une offre pour Andrew Gravion que j'ai refusé. Une offre de Nice que j'ai refusé, tout simplement. Du coup, forcément, il est venu me voir en me disant oui, Nice a fait une offre, je veux partir. Du coup, je lui ai répondu, écoute, si Nice met 6 millions d'euros, on lâche. Voilà, c'était pas la peine de partir au clash avec le joueur. Donc voilà, je lui ai dit que pour 6 millions d'euros, il pourrait partir. Donc voilà, du coup, Gravillon, possiblement sur le départ. Hop, il est là, il est sur le banc de toute façon, voilà. Alors que Cervantes a peut-être pas sa place sur le banc. Ah, et Armin d'Ozib, au cas où il y a besoin de faire des changements, mais ouais, cette défense, elle s'entend pas, hein. On n'y arrivera pas avec ce dispositif, c'est fou. Et Pizarri, j'ai l'impression qu'il ne progresse pas. C'est un peu dommage. C'est un petit peu dommage. Et c'est parti du coup. Cette réception de Strasbourg. Maidana. Attention à genre qu'on sait Strasbourg hein, dans cette carrière. C'est un petit peu notre némésis. C'est un peu le pire ennemi. On va briser ça. On va briser cette malédiction. On va essayer de pas encaisser de but de Ludovic Ajorque. On compte sur Ahmedodzic. Et pourquoi j'ai deux fois la formation? C'est chiant ça aussi. Attention quand même à ce coup franc de Zinedine Ferrat. Oh là, c'est quoi ces buts bizarres? Oh, j'espère qu'il y a hors-jeu, j'espère qu'il y a hors-jeu. Hors-jeu, hors-jeu, but refusé. C'était les Mbeumo Tiba qui nous avait marqué ce petit but de filou. Et du coup. Ah ouais. Ok. Allez. Tavara. Vers Zirkzee. Kalimuendo. Kalimuendo qui prend la place d'Ito qui est blessé aujourd'hui. On espère qu'on n'a pas levé son option d'achat pour rien. Qui va nous prouver. Arnaud Kalimuendo. Et bah qu'il a l'étoffe d'un grand joueur. Allez, ballon en retrait vers Pizarri. Ahmedodzic. C'est pas trop mal pour l'instant. À part cette occasion qu'ils ont eue, ce coup franc dangereux, mais on est pas mal, on est pas mal. Oui, Marezic. Oh, Sugawara, sa patte magique. Sugawara, premier poteau. Tavara, ça cafouille. Oh là 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 là, c'est dégagé. Attention à la contre-attaque avec Motiba. Les beaux Motiba, le Sud-Africain qui rejoue sur Persic. Et l'action s'arrêtera là. C'est pas mal, on est bien. Franchement, on n'est pas si mal. Et corner, tiré par Tavara, premier poteau. Oh là là, Woodface, on n'arrive plus à marquer, c'est dommage. C'est dommage. Et les équipes devant nous, pendant ce temps-là, Nice est menée. C'est pas pour nous déplaire, c'est pas pour nous déplaire. Ouais, si Brest. Ah oui, mais c'est Brest qui est devant aussi. Donc un petit nul nous arrangerait au final hein, entre ces deux équipes-là. Et Mats, elles sont loin devant. Attention à la tête, ils ont des bons joueurs de tête devant. Attention, Motiba. Oh oui, bien joué là. Bien joué Woodfaes qui a tout lu, qui a jailli au devant du ballon. Et on est obligé de sauter des lignes. Zirkzee, j'espère qu'il n'y a pas hors-jeu. Et non, apparemment il n'y a pas hors-jeu. Je suis à Zirkzee, magnifique appel. Ça m'embête un peu, c'est qu'on est obligé de sauter des lignes. Ils doivent être assez compacts ici là au pressing. On n'arrive pas à trouver nos milieux de terrain. Et du coup, super ballon de Woodfaes. L'alignement de Strasbourg devait être mauvais. Et Zirkzee. Zirkzee qui ne se fait pas prier, c'est vrai qu'il rate pas beaucoup d'occasions. Hein. Zirkzee, franchement, il est plutôt efficace. Ça fait 1-0. Et il faut continuer comme ça, les gars. Faut continuer comme ça. 1-0, c'est très très bien.
Tout le monde est bien, tout le monde est ok. Strasbourg en 4-4-2. Et Sugawara. Vers Nathanel Mboukou. Mboukou. Ah, Mboukou. Faut donner, Mboukou. Faut donner à Zirkzee. Faut faire la passe là-dessus. Attention à ce long ballon. Woodface, pas de conneries. Voilà, Marezic. Attention, Marezic, le pressing. Ouh là 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 là. Il m'a fait peur, Marezic, mais il a bien géré cette situation. Zirkzee qui trouve Kalimuendo. Zirkzee qui a trouvé Kalimuendo. Oh, Kalimuendo qui tape au-dessus. Et Zirkzee en pivot. Et le stade qui n'est pas plein. 12 000 spectateurs à Delaune. Mais Zirkzee, ouais, en pivot, qui est vraiment propre. Un balle au pied qui trouve ses coéquipiers. Et Matsels qui s'interpose sur ce long ballon. 63e minute. On va essayer de faire des changements. Et d'un autre côté, je me dis qu'il n'y a que 1-0. J'ai pas envie de bouleverser tout. J'aimerais bien marquer le deuxième. Et Djikou qui dégage. Thomasson. Thomasson qui rentre intérieur. Thomasson qui va trouver un petit ballon pour Motiba. Là 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 là, la réduction de l'écart. Et même égalisation même de Strasbourg. On va passer en offensive. Ah, on a trop laissé jouer Thomasson là, qui est rentré intérieur. On va faire rentrer Masson à la place de Cajuste. Cajuste qui revient de sélection. On va sortir nos pistons comme d'habitude. Et Truffert. Hop. Et on reprend en offensive. Allez, je veux la victoire à domicile là. Zirkzee. Zirkzee. Zirkzee qui avance. Zirkzee qui va revenir. Oh non, Zirkzee, le ballon perdu. Mais tout le monde s'en va, les gars. Faut lui donner au moins une solution dans les pieds à Zirkzee. Il peut pas non plus faire des miracles. Alors qu'il y a un match nul pour l'instant entre Brest et Nice. Ça nous va bien. Tavara. Hop. Oh, Zirkzee, faut essayer de contrôler ça. Tu pourras pas marquer d'ici de la tête. Attention, attention, Woodface, pas de bêtises. Laisse rebondir ce ballon, attention. Et Matuziwa, loin devant, vers Zirkzee. Et. Oh, Zirkzee. Ah, Zirkzee qui trouve pas le cadre. Alors qu'on procède plutôt par des longs ballons pour l'instant. On n'arrive pas à construire des actions propres. Ah, et Gamero qui est rentré et qui bénéficie de la déviation de la tête. Oh, Thomasson tout seul au deuxième poteau. Il n'y a rien à dire, c'est 2-1. Ah voilà la déviation d'un joueur, Gamero qui prend de vitesse et derrière Matsuziwa qui ne suit pas Thomasson. Absolument seul au second poteau. Strasbourg qui prend l'avantage. Ah, on n'y arrive pas hein, en championnat, on n'y arrive pas. Ça sent la saison galère, ça sent la saison milieu de tableau. Buffer pour Zirkzee. Oh oui. Oh non, il y a hors-jeu. Ah non, il y a hors-jeu. Kalimuendo qui avait trouvé la faille sur cette superbe inspiration de Joshua Zirkzee. Oh, le but est accordé, oui. Oui, monsieur Arnaud Kalimuendo. Son deuxième. Oh oui, contrôlé. Oh oui, monsieur. Contrôle centre enchaîné. Et ça. Ça reste un seul point, mais bon. C'est positif au moins de revenir dans le match. Attention à ce long ballon. Allez, Amedozic, non. Ouais, hors-jeu, monsieur l'arbitre. Amedozic qui est battu au duel de la tête, ça je suis pas d'accord. Et on va rester là, non peut-être. Moubanje, Djikou. Moubanje, attention. Non, attention. Pizarri loin devant. Ça revient encore et toujours. Gamero. Oh là 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 là. Gamero qui trouve Bellegarde. FAS pour Pizarri, loin devant. Zirkzee pour Mboukou, peut-être. La dernière action. Nathanael Mboukou. Oh là là, Mboukou qui a choisi l'option personnelle et la frappe qui s'envole au-dessus. Ah, oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et l'arbitre qui siffle la fin du match là-dessus. Et deux buts partout. On aurait dû remporter ce match. Hein. On aurait dû remporter ce match, les gars, je suis pas content. Pour moi, c'est deux points de perdu, hein. C'est pas un point de gagné. On avait tout ce qu'il faut. On avait tout ce qu'il faut. Bah, Zirkzee, on va le féliciter. Encore un but, une passe D. Il est toujours très bon. Toujours très bon, je suis à Zirkzee, mais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, s'il n'y a rien au mercato, on se retrouve pour la compo d'équipe face à Nantes pour la réception des Canaries. Ah, on se retrouve pour la compo d'équipe face à Nantes. Avec toujours Ito blessé encore 6 jours. Donc, on va remettre Kalimuendo. Tavara qui est assez fatigué, on va mettre Gutiérrez, on va sortir Tavara pour mettre Zib, on va sortir Kuteza.
Pour mettre Maxime Buzy, Boudbouze va jouer, on a besoin de lui, on le fera sortir s'il faut. Pour le reste, c'est l'équipe type. Voilà, l'absence d'Ito. Allez, on y croit. On y croit. Ah, il faut la victoire là. Là, faut valider ce point par une victoire. Ah, il va falloir se reprendre. En termes de forme, on est milieu de tableau. De toute façon, on est milieu de tableau tout partout, quoi. On est mou. On est mou. Alors qu'on s'approche de la fin du mercato et je pense qu'on en restera là. Sauf grosse offre et grosse vente. Je pense qu'on ne touchera plus à l'équipe. On va aller au bout comme ça. J'ai dit qu'on allait assumer notre parti pris de jouer à 3 défenseurs. On verra pour la saison prochaine. On verra pour la saison prochaine. Et Boudbouz, Kalimundo. Kalimundo. Kalimundo, qui donne à Gutiérrez. Gutiérrez, y a personne. Ça a trop tardé et nos joueurs étaient vraiment, plus dans le rythme pour ce centre. Gutiérrez vient joindre une touche vers Xerxi, Boudbouz. Et voilà le retour! Le retour salvateur de Riyad Boudbouz qui nous fait un bien fou. Boudbouz qui, je le rappelle, sera remplacé par Manuel Lanzini la saison prochaine. Boudbouz qui arrivera en fin de contrat du haut de ses 33 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, il nous aura fait 2 saisons d'un excellent niveau et on l'en remercie pour ça. Il nous a fait passer un petit cap, clairement. Et cette victoire, moi j'arrête de le dire, qui nous fait raccrocher le wagon parce qu'à chaque vidéo j'ai l'impression de le dire, parce qu'à chaque fois on gagne et on perd, et on gagne et on perd. Et du coup à chaque fois qu'on gagne on refait un petit bond au classement et à chaque fois qu'on perd on sait se distancer. Mais là le problème c'est que ça va filer, hein. Les 5 premières places ça sera inatteignable. Oh, et voilà, derrière on prend un but. Hamza, son premier but de la saison sur un coup franc, on n'est pas attentif. Oh! Allez, on essaye de revenir tout de suite. Fares, c'est. Petit filet extérieur, c'est dommage. Et pour l'instant, Nantes qui se procure plus d'occasions que nous, hein. Comme souvent, Ahmedudic. Zirkzee, cas juste, Fares. Et Boudbouz qui écarte sur Fares. Qui a juste. Oh, ah, c'est dégagé. Ahmedudic de la tête. Avec autorité. Gutiérrez. Sugawara, faut faire la différence. Allez, tu peux le faire. Va centrer. Centre. Oh, Zirkzee qui se jette au premier poteau. Let's go. Joshua Zirkzee. Waouh. Alors là. Va falloir résister aux offres hein, qui vont être faites des gros clubs pour Zirkzee et aussi pour Ahmedudic parce que j'ai vu sa valeur tout à l'heure, elle est à plus de 30 millions. Zirkzee, je pense que c'est pareil, à mon avis, ça doit être énorme. Attention, Terem Moffi! Plizzari qui s'est jeté! Mais c'est pas possible, on n'arrive pas à garder un avantage au score, mais c'est fou! Ça rend fou ça! Passe décisive du gardien, mais c'est bon! On a 3 arrières centraux pour un seul attaquant. Ils sont. Ouais, Pizarri qui plonge comme à la piscine, mais. Waouh! Ah, c'est dur là. Hein. Ah, ouais, mais non, mais les 2 buts qu'on prend à chaque fois. Allez, les gars, on peut gagner. Vas-y, quitte à se faire prendre dans le dos. De toute façon, autant jouer en offensif. Hein, puisque de toute façon, même en positif, on se fait prendre dans le dos. Et Boudbouze, on prend complètement raté dans les gants de la fond. On va falloir se reprendre. Parce que là, je suis pas satisfait du tout de ce qui se passe. Ça commence à m'énerver un petit peu pour tout vous dire. Et Terem Moffi. Ah, et Plizzari qui fait la parade quand même. Ça commence un petit peu à m'embêter ça. Et le corner de Jérémy Piez s'est dégagé. Je vois pas. Je vois pas ce qui va pas. Je comprends pas. On a 3 arrières centraux pour un seul attaquant de pointe adverse. Et. Oh là là, Mendes qui a failli marquer. Et nos joueurs, ils arrivent à ne pas être dessus, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Pardonner des consignes. Des consignes individuelles très strictes. Je vois pas ce que je peux faire. Mais Dodige qui va laisser sa place à Gravillon. On va faire tourner en fonction de la fatigue, encore une fois. Masson qui va rentrer. On garde le troisième changement. Au besoin. Pour cette fin de match. Allez, c'est Fares qui va laisser sa place. Fares qui fait encore un match moyen. Et Truffert. Allez, Truffert. Vous êtes capable de faire la différence. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Sugawara qui a pris le jaune. Mais ça va, pour l'instant ça va. Allez.
Le coup franc de bout de bout. Cette fois, il est bien tiré. Personne. Moutoussamy qui va pouvoir dégager avec Traoré. Moutoussamy le long vers Vital Nsimba. Terem Mofi. Et Gutiérrez, le retour. Le retour de Gutiérrez. Sukawara dans la petite passe pour Kalimuendo. C'est contré. Il fallait jouer le retrait sur Zirzi. Arnaud Kalimuendo. Il fallait jouer le retrait sur Joshua. Et Boudbouz au corner. Woodfaes au premier poteau. C'est dégagé par les Nantais. Et Boudbouz qui va revenir. Gravillon, allez. Masson, non. Ah, oh, c'est frustrant. On va pas faire deuxième fois un match nul quand même. Oh là 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 là. Très offensive. Très offensive. Allez. Allez. 3 minutes, 2 minutes. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On est à l'arrêt. On est à l'arrêt. Et je vous attends demain à l'entraînement, les gars. Pff. 29 points en 20 matchs. 1 point et demi par match. C'est pas dégueulasse, mais... C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, mais... Là, quoi. On va laisser s'échapper ces équipes-là. Ouais, on va pouvoir viser la 6ème place, mais pas mieux cette saison, je pense. Je sais pas quoi penser. Ah, je sais pas quoi penser. On n'arrive pas. En fait, on fait souvent le plus dur et derrière, on se fait rejoindre rapidement. En fait, on laisse pas les équipes adverses dans le doute. Elles reviennent tout de suite. Je vais sauvegarder la partie. On va aller rapidement regarder. On va jeter un petit coup d'œil au calendrier pour voir ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est la réception de Marseille et le déplacement à Rennes. Derrière, Lille. Hertha Berlin en 16e de finale. Match coup près, hein, les gars. Ça, c'est un one-shot. C'est soit on continue en Europa League, soit au revoir. Et Bordeaux-PSG. Donc là, ce mois de février, là, qu'on va démarrer demain. Ce mois de février, il est insane. Il est insane. Marseille-Rennes-Lille. Marseille. Rennes. Le LOSC. LOSC, c'est où le LOSC? LOSC, c'est là. Ok. Eh ben, écoutez... Ah, je suis à Zirzi, la valeur de ce joueur, 25 à 34 millions. Pour l'instant, ils ne sont pas observés, hein, tous ces joueurs-là, mais ça, je pense que ça tardera pas. Amedodzic, c'est du 30 millions. Au niveau des montants. Bon, même beaucoup, il nous appartient plus. Bah, après, il vaut aussi cher, je sais pas ce qu'il est parti à Chelsea. Hein. Amedodzic, Zirzi, Kajuste. Kajuste, c'est 20 millions. Il a fait la promesse qu'à 20 millions il partait. Ok, bah écoutez, un petit peu décevant, hein, les matchs d'aujourd'hui. On va se retrouver demain pour ce début de mois de février complètement fou. J'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est pas le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve demain pour ce mois de février qui s'annonce dantesque.